Se battre est naturel pour le grec ancien, pour l'homme en tout cas. Le citoyen doit remplir ses obligations militaires de manière quasi permanente. Le métèque peut être appelé aux armes, et l'esclave également, il peut même être affranchi grâce à son rôle dans une bataille. Après avoir parlé de l'armée grecque il y a quelques semaines, cet épisode est la suite directe du sujet pour nous concentrer sur la conduite de la guerre en elle-même. Pour commencer, nous pouvons déjà parler d'un phénomène, celui de la mutation de la guerre dans le monde grec. Pendant très longtemps, la guerre en Grèce était l'affaire de la haute aristocratie. On parle de guerre courtoise, très codifiée, où le but est de régler un différend entre deux cités. Cette image est peu à peu mythifiée par les auteurs, à travers notamment les figures des héros et les fameux duels de champions, devant régler à eux seuls une bataille. Mais elle va s'éroder définitivement à partir du 5e siècle avant notre ère. Les guerres médiques, affrontement phénoménal entre la Grèce continentale et l'Empire perse que nous avons déjà traité sur la chaîne, sont en ça un point de bascule. Cette fois, la guerre est totale, existentielle même. À peine les Perses définitivement écartés, les deux puissances sortantes, athéniennes et spartiates, vont déjà se regarder avec méfiance, et la guerre du Péloponnèse guette déjà au tournant. Cet état de guerre, ou au moins de tension quasi permanent, est fondamentalement nouveau. Pour vous donner une idée, dites-vous que de -490, les débuts des guerres médiques, à -332, durant l'épopée d'Alexandre, Athènes est en guerre 2 années sur 3. Jusque-là, les conflits étaient généralement brefs, isolés. Le système social et militaire des cités était même taillé en fonction, et il va se voir lui aussi bouleversé par cette brutalité nouvelle. La contestation des frontières est pendant longtemps la raison principale des conflits. Mais la gestion et le contrôle des ressources stratégiques, comme les minerais, le bois ou la nourriture, prennent une place de plus en plus importante dans les tensions entre cités. Malgré la mutation mentionnée, les guerres sont tout de même encore menées autour de règles strictes. La première étant d'ailleurs la façon de la déclarer. Avant de se lancer dans une guerre, il est impératif de consulter les oracles, pour s'assurer que les dieux sont favorables à la cité et à ses revendications. Dans les cités démocratiques, ce sont même généralement les assemblées de citoyens qui décident de la guerre, et même à Sparte, elle est par exemple votée par acclamation. Une fois la guerre approuvée par tous, des héros sont envoyés prévenir officiellement le camp adverse du début des hostilités. Commencer la guerre sans l'annoncer est reconnu comme une faute très grave. C'est prendre le risque de mener une guerre injuste aux yeux des dieux et des hommes. Certains n'hésitent pas à le faire, afin de profiter de l'effet de surprise, mais c'est plutôt rare, car il ne faut pas se louper. Quand tout est décidé, on procède à la nomination des chefs. À Athènes, les stratèges prennent leurs responsabilités, et les bornes de la guerre à venir. Puis enfin, on effectue l'appel des hommes sous les armes. Ça y est, la cité peut partir en campagne. Pour ce qui est de la conduite de la guerre, tout est fait pour l'emporter, mais il y a certaines limites. Tuer des femmes, des enfants et des vieillards n'est par exemple pas bien vu dans les communautés grecques, même si rien n'empêche de les emmener en esclavage. Les mercenaires sont visiblement moins regardants sur ces règles, d'où leur popularité écorchée dans beaucoup de cités. L'Athénien Isocrate nous traduit bien ce ressentiment par ces quelques mots. « S'ils ont la même langue que nous, ils ont les façons d'agir des barbares. » Quelques individus bénéficient d'une protection toute particulière. Les héros, porteurs d'un kerikeion, un caducé, c'est un signe, mais aussi les prêtres, devins et sacrificateurs sont protégés, même lorsqu'ils accompagnent l'armée. Le théâtre aussi étant une activité religieuse, rappelez-vous, les acteurs bénéficient eux aussi de ce privilège, de cette protection. En matière de lieu, l'immunité s'applique aux sanctuaires religieux. Leur violation peut constituer un casus belli solide. Occuper ou piller un sanctuaire est un acte d'impiété terriblement grave. En 356 avant notre ère, les Phocidiens pillent par exemple celui de Delphes. Et malgré la restitution du trésor, tous les coupables seront mis à mort, et la cité condamnée par une grande partie de la Grèce pendant des décennies.
Enfin, la célébration des fêtes religieuses, comme les Jeux d'Olympie ou les Carneias de Sparte, entraîne généralement une trêve entre toutes les cités qui y participent. La trêve ne saurait être violée sous peine de l'interdiction d'accès au sanctuaire et de très lourdes amendes. Oui, les règles de la guerre sont alors très nombreuses. Les cités peuvent même s'en servir dans leurs plans, en les contournant ou en les utilisant à leur avantage, nous y reviendrons. Il faut également noter que le soldat grec est le plus souvent un paysan, travaillant sa terre ou celle d'un citoyen plus riche que lui. Dès lors, les campagnes en sont impactées. Elles se déroulent pendant les périodes où il est possible de s'absenter sans dommage pour les cultures et s'achèvent généralement à la fin de l'été, quand il faut préparer le sol pour les semailles et faire les vendanges. De plus, il faut noter la mauvaise logistique de l'approvisionnement qui semble assez endémique en Grèce. Les soldats doivent même généralement fournir leurs propres rations. C'est pourquoi, au fur et à mesure que les guerres se prolongent, notamment dans le cas des guerres du Péloponnèse, qui s'étendent pour la première fois sur plusieurs années consécutives, il faut recourir aux mercenaires, afin de maintenir une force armée, tout en gardant sa force agricole au travail. Quoi qu'il en soit, une fois toutes ces règles et contraintes comprises, eh bien, il faut aller combattre l'adversaire. En campagne, l'armée progresse en ordre dispersé, couvert par la cavalerie. Chaque homme emporte avec lui un gilios, un panier en osier, dans lequel il met ses provisions, une assiette pour manger et un pot en terre pour le liquide. Les hoplites sont accompagnés de serviteurs, d'esclaves et autres domestiques qui sont chargés notamment du lourd équipement. La plupart du temps, les affrontements se limitent à de petites escarmouches et à des embuscades, mais la règle veut qu'on s'affronte toujours finalement dans un choc frontal pour s'assurer une victoire définitive. Cette bataille a lieu dans la tradition l'après-midi, après le repas. C'est seulement à cette occasion que l'hoplite enfile son équipement assisté par un esclave. Il enfile tout son équipement, je vous renvoie aux vidéos précédentes pour le détail de ce dernier. Mais l'ensemble pèse un poids considérable, au moins 15 kg juste pour la cuirasse. Et en plus, il est très inconfortable. Le bronze chauffe très vite sous le soleil méditerranéen, jusqu'à être brûlant au toucher. D'après les récits, il n'est même pas rare que beaucoup tombent dans les pommes en pleine bataille. On cherche ainsi le plus possible à se battre à l'ombre. L'amusement des Spartiates aux Thermopyles, quand l'émissaire perse tente de les intimider en leur indiquant que les flèches de l'armée perse vont masquer le soleil, eh bien ça va de là. Ils accueillent avec joie cette menace. Une fois équipés, les hoplites se forment en colonne pour aller à l'ennemi. Tout le problème d'une phalange est que tout repose sur l'esprit de corps. Il faut rester groupé. Les Spartiates, que l'on décrit souvent aujourd'hui comme des guerriers redoutables individuellement, sont en réalité surtout passés maîtres dans l'art de la cohésion et de la manœuvre. Les hoplites marchent d'un pas lent, soutenus par le rythme des joueurs de flûte, au visage couvert par des masques de cuir. On dit même d'eux qu'ils vont au combat en dansant, en réalité au rythme extrêmement bien cadencé. Le terrain entre les deux armées est volontairement choisi plat et libre pour ne pas gêner le choc. Les hommes vont jouer de la psychologie à ce moment-là, essayer coûte que coûte d'impressionner la phalange d'en face pour la briser avant même le contact. Les Spartiates jouent de leur apparence sombre et pourpre, d'autres crient ou chantent le fameux péan. Aristophane se fait un plaisir de nous raconter combien d'hommes se font dessus, mot pour mot, lors de ces moments, ou titubent et vomissent d'ivresse. Le vin aidant à faire passer la peur du combat. Sacrée image, n'est-ce pas? Puis, les formations se rapprochent, lentement mais sûrement. Une fois à 200 mètres environ l'une de l'autre, les hoplites prennent leur course en hurlant. Avec près de 30 kg d'équipement sur le dos, la charge, à proprement parler, ne peut durer plus d'une ou deux minutes. Chargeant le bouclier levé, la lance en avant, les deux phalanges foncent l'une contre l'autre. Pour enfoncer les rangs ennemis, il faut pénétrer en force, alors imaginez la force du choc. On préfère lors de l'attaque tenir son arme assez bas, pour frapper l'aine ou les cuisses, point faible de la protection. La poussée est si forte qu'il arrive que des hoplites meurent tout simplement étouffés, debout.
et si vous tombez, il y a de fortes chances que vous fassiez piétiner par vos compagnons. On combat ensuite avec rage. Ceux dont la lance est brisée sortent leur épée pour accomplir la sale besogne. Pour empêcher la pénétration de l'adversaire, il faut combattre coude à coude de son voisin, d'autant que c'est son bouclier qui protège votre flanc droit. Pris dans la masse, assourdi et la vue limitée par le casque, on imagine aisément que les hoplites se battent dans la confusion la plus totale. Xénophon, qui fut hoplite, nous raconte. C'était une boucherie humaine, un horrible fracas d'armes et de traits, au milieu des appels. Ici, on encourageait. Là, on s'exhortait. Ailleurs, on invoquait les dieux. Les lignes arrières jouent aussi un rôle actif, non pas par leurs armes, mais par leur force. Le combat lui-même ressemble surtout à une énorme poussée, l'otismos. Peu de place à une stratégie pensée ou aux tactiques élaborées, les voleuses de guerre, les clémata, comme les Grecs les appellent. Seul le commandant, le plus audacieux, va tenter de déroger à cette règle de la bataille. Limité bien souvent cependant par les capacités de manœuvre de sa phalange, qui, il faut bien le rappeler, est rarement professionnelle. On a retrouvé des traces de formation en carré, ou même d'insertion dans les rangs d'infanterie plus légère au fil du temps. Mais revenons à notre choc principal, celui des hoplites. Le moment arrive où l'une des deux phalanges ne peut plus résister à la poussée de l'autre. À partir des derniers rangs, c'est la retraite, en bon ordre dans le meilleur des cas, ou la débandade dans le pire. Dans ce cas, on jette ses armes et boucliers pour fuir en courant. Rares sont ceux qui préfèrent la mort au déshonneur. Le poète Archilote nous explique crûment par ces mots. « Mon bouclier fait aujourd'hui la gloire d'un barbare, mais je suis sauf. Alors, qu'importe mon vieux bouclier ?» Loin d'être une sorte de jeu auquel les citoyens soldats se livrent de temps à autre, la bataille hoplitique est un drame que l'existence des règles ne parvient pas à adoucir. On est loin de l'image de la joute rituelle véhiculée pendant longtemps. La phalange n'a donc sans doute pas eu le sens que le discours idéologique ont pu lui prêter. À dire vrai, de larges zones d'ombre planent même encore sur le déroulement d'une bataille hoplitique. D'abord parce que aucune source ne décrit un simple heurt de deux phalanges. Le premier affrontement relaté avec quelques précisions est Marathon, mais les Perses n'avaient pas de phalange. Il faut attendre beaucoup plus tard les descriptions de Thucydide lors des guerres du Péloponnèse pour disposer d'un tel récit, mais qui manque très souvent de beaucoup de précisions. Avant de passer à la suite après les batailles, il ne faut pas l'oublier, souvenez-vous de l'épisode précédent, les hoplites ne sont pas les seuls sur le champ de bataille. Les tireurs sont utilisés lors des batailles dans leur première phase, pour tenter de rompre la phalange adverse avant le contact. Archers, frondeurs, javeliniers, ils ont une portée variable, mais tous une cadence limitée. Mais ils peuvent tout de même provoquer des blessures très sérieuses dans les rangs des hoplites, surtout à partir du 4e siècle avant Jésus-Christ et l'allègement des armures. On l'a dit, ces armes sont méprisées, mais nécessité faisant loi, même les cités plus traditionnels comme Sparte, se résignent à leur faire appel pour accompagner leurs hoplites, et leur rôle est encore aujourd'hui bien trop négligé en comparaison avec l'importance qu'ils avaient sur nous. Côté cavalerie, son rôle est aussi pendant longtemps limité. Le cavalier grec est un cavalier léger, comptant sur sa vitesse et son agilité. Il a en guise d'arme des javelots qui peuvent être lancés jusqu'à 90 mètres. Progressivement, l'influence des peuples du Nord renforce leur implication dans la première phase de harcèlement de l'armée adverse. Il les pousse à mieux se protéger, avec des premières pièces d'armure. Les cavaliers ont également un rôle à jouer lors de la poursuite à la fin de la bataille. On les associe avec des fantassins qui montent en croupe et sautent au milieu de l'ennemi désorganisé. C'est bien lors de cette phase de poursuite que vous pouvez capturer de précieux citoyens de la cité ennemie. Très bonne monnaie d'échange à garder sous la main. La phalange ne participe vraisemblablement pas à la poursuite. La cavalerie a donc un rôle primordial, et pourtant assez peu mis en lumière dans la culture populaire. C'est plus tard, avec la montée en puissance de la Macédoine, que nous allons voir les balbutiements de la cavalerie lourde grecque,
Mais ça, c'est une autre histoire, soyez patients. Bon, voilà, vous avez une image suffisante des combats des armées grecques. Au-delà de la bataille de plaine, les Grecs ne font que très rarement des sièges. L'immobilisation de leur armée pendant longtemps est de toute façon contraire au caractère saisonnier de la guerre. Mais pénétrer en territoire ennemi n'est pas toujours chose aisée. De nombreuses cités multiplient les points de défense fortifiés, des tours ou des fortins gardés par une quarantaine d'hommes sur les points stratégiques peuvent suffire à bloquer une armée entière. À cela, il faut ajouter les aléropolis, des hauteurs fortifiées servant de refuge aux populations rurales. Et bien sûr, les villes en elles-mêmes, parfois cernées d'une puissante muraille, Athènes étant l'exemple le plus impressionnant. Les Grecs ne sont pas tout à fait maîtres de l'art du siège, contrairement aux peuples orientaux comme les Perses, qui bénéficient de l'héritage des Assyriens. Maîtres de ce milieu, on l'a déjà vu, je vous renvoie à la vidéo sur le sujet. Le but recherché est quasiment toujours la bataille de plaine. Les massines de siège sont quasi inexistantes en Grèce antique. On retrouve tout au plus des petites machines incendiaires, des béliers en bois et les échelles. D'une manière générale, les sièges sont surtout des blocus de ville qui tentent d'affamer la population, en cédant parfois de retranchements en terre et en bois. C'est en Sicile, au début du 4e siècle avant notre ère, que l'art du siège, la poliorcétique, va se développer grâce aux connaissances des Carthaginois voisins. C'est l'apparition des tours d'assaut, des catapultes à flèches, des béliers suspendus. Les murailles ne seront plus toutes puissantes comme auparavant. Enfin, il nous faut parler de la marine, car la guerre grecque se déroule au moins autant sur mer que sur terre. On l'a vu il y a 2 épisodes de cela. Toutes les cités sont à quelques kilomètres de la mer tout au plus et sont dépendantes du commerce qui y circule. Ainsi, contrôler les flux via sa flotte est un facteur de puissance immense. Vers 550 avant notre ère, quelques décennies avant l'arrivée des Perses à Marathon, on met au point la trière, qui devient le fer de lance des marines de guerre grecque. Je vous renvoie à la vidéo sur la bataille de Salamine pour plus de détails sur ce navire. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que ce sont les 170 rameurs qui font sa force de propulsion, pouvant atteindre 10 nœuds en vitesse de combat. L'éperon de bronze, situé à l'avant, permet d'éperonner le navire adverse. Mais cette manœuvre est très délicate. Votre trière est trop lente? Alors, le choc est insuffisant. Au contraire, si le choc est trop fort, il peut empêcher la trière de se retirer. Pour marquer la cadence de manière précise, les rameurs chantent au rythme, sous la direction du kélestès, assisté par un joueur de flûte. L'équipage est complété par un charpentier de marine, le Proreus, chargé d'observer les vents et les courants pour le compte du Cubermétès, qui tient la barre, capitaine par la force des choses. Enfin, il y a toujours une dizaine de soldats, les épibates, prêts au combat en cas d'abordage. La flotte de guerre a plusieurs rôles. Elle protège les côtes, escorte les convois de navires de commerce ou transporte des troupes pour mener des pillages. De manière très exceptionnelle, elle sert à monter d'immenses expéditions de plusieurs centaines de navires. J'ai hâte de vous narrer l'exceptionnelle expédition de Sicile de la marine athénienne. À l'image des marchands, les marins se contentent de longer les côtes. Les véritables batailles navales sont certes assez rares et quasiment toujours en vue des côtes, mais sont impressionnantes. Elles nécessitent une coordination exceptionnelle, la communication se faisant à l'aide de drapeaux et de signaux lumineux. La trière représente d'ailleurs un autre inconvénient. Il n'y a pas de place pour les couchettes, expliquant l'obligation de mettre les navires en cale sèche chaque nuit. Ce qui permet par la même occasion d'éviter que le bois ne se gorge d'eau. Cette contrainte conditionne toutes les campagnes maritimes des cités. Il ne faut pas négliger la marine grecque, une arme primordiale, qui nécessite un investissement en ressources immenses et qui repose sur une part très importante des citoyens les plus modestes des cités. Cependant, attention à l'image moderne que nous avons. Les Grecs sont loin d'être les meilleurs marins de la Méditerranée, bien en deçà des capitaines phéniciens ou égyptiens par exemple. C'est plutôt grâce à leur audace, leur connaissance du terrain
et à l'incompétence de Xerxès dans le cas de Salamine qu'ils ont su se forger cette image victorieuse. Mais on le verra, les affrontements qui font rage dans le cadre des guerres du Péloponnèse entre Grecs sont beaucoup plus incertains. La marine, à l'image des troupes légères, a pu être dénigrée. À Athènes, dans la seconde moitié du 5e siècle avant notre ère, ce sont les oligarques eux-mêmes, mécontents de voir la domination militaire de la marine et des rameurs, qui idéalisent le temps passé, et forcément béni, où l'hoplite seul était synonyme de bravoure. Mais quoi qu'il arrive, sur terre ou sur mer, la bataille fera naître en général un camp victorieux et un camp défait, avec son lot de conséquences. La guerre en Grèce antique, je peux vous le dire, c'est quitte ou double. Synonyme de gloire pour les vainqueurs, vivants comme morts, c'est en revanche une catastrophe pour la cité vaincue. Si le citoyen perdant n'est pas mort au combat, il risque l'esclavage, la plus grande crainte d'un Grec libre. Dans l'immédiat, après les combats, le champ de bataille témoigne de la violence sauvage du choc. Xénophon nous en laisse un témoignage glaçant. L'on pouvait voir des cadavres d'amis et d'ennemis gisant pêle-mêle, des boucliers en pièces, des lances brisées, des épées sans fourreau. Les unes à terre, les autres enfoncées dans les corps, et celles que l'un des mains tenait encore. On estime que les pertes globales s'élevaient en moyenne à 10% des combattants. Les survivants se reposent, leurs suivants dépouillent les morts de leurs armes et cuirasses. Il n'est pas rare de laisser les morts sur le champ de bataille pendant plusieurs jours, les laissant se décomposer au soleil, car l'urgence est plutôt de s'occuper des blessés. De manière directe ou indirecte, 45% des blessures sont mortelles. Nombreux sont ceux qui meurent d'hémorragie ou dans les jours qui suivent du tétanos ou d'infections graves, et ce, malgré les efforts des médecins qui accompagnent l'armée. Une fois ces urgences gérées, on s'occupe enfin des morts. Pour tout Grec, le choix de mourir pour défendre sa cité est considéré comme le plus beau des sacrifices, et les survivants se doivent de l'honorer. Par exemple, à l'issue d'une bataille navale, les stratèges athéniens, ayant quitté les lieux sans recueillir les corps, seront condamnés à mort, malgré le fait qu'ils aient remporté la victoire. On inhume les morts en groupe, en érigeant sur leurs tombes des monuments. Nous avons déjà société érigée en mémoire des hommes tombés à Marathon, Platée ou encore aux Thermopyles. Les victorieux s'adonnent ensuite à célébrer cette victoire, prenant premièrement la forme d'un trophée élevé sur le champ de bataille. De retour dans la cité, il faut ensuite penser à réaliser les promesses faites aux dieux avant le départ en campagne, même si ces dernières étaient particulièrement audacieuses. Pour l'anecdote, avant la bataille de Marathon, Athènes avait promis aux dieux de sacrifier autant d'animaux qu'elle tuera de Perses. Elle se retrouvera donc à devoir tuer 500 chèvres par an pendant 10 ans. De grandes cérémonies sont présidées et des offrandes sont offertes. C'est pas la même histoire pour les perdants. La défaite d'un camp n'est pas toujours décisive, et d'ailleurs souvent acceptée uniquement sur le moment, préjugeant presque toujours un espoir de revanche future. Mais les conséquences sont parfois dramatiques, allant de l'effacement temporaire à la disparition définitive. Et oui, la phalange, c'est l'armée d'une cité, mais aussi son corps civique et dirigeant dans le cadre d'une cité démocratique. La cité d'Argos, qui perd tous ses citoyens à la bataille de Sépeia en 494 avant notre ère, est quasiment effacée de fait pendant quasiment une génération. Mais ces excès ne sont pas non plus la règle. Il est en principe autorisé de tuer tous les défenseurs d'une cité. Mais d'une manière générale, on ne massacrera pas les prisonniers faits sur le champ de bataille. Ces derniers sont plutôt enfermés et le plus souvent libérés contre rançon, ou plus rarement vendus comme esclaves. Encore une fois, la guerre du Péloponnèse va amener son lot de nouveautés et de brutalité. On le voit, il faut nuancer assez fortement l'image erronée que nous avons de la guerre hoplitique, propre et bien orchestrée. D'ailleurs, il faut indéniablement l'élargir au-delà du choc des phalanges, certes central au combat, et prendre en compte le rôle de l'infanterie légère, de la cavalerie, des sièges ou encore et surtout de la marine.
nous avons également les éternels oubliés de l'histoire, les civils. Les femmes en premier lieu, considérées comme parfaitement inutiles en raison de leur infériorité naturelle. Les femmes, les trop jeunes ou les trop faibles, tout cela ont à souffrir des guerres. Les règles de la guerre n'ont pas toujours été respectées, notamment lorsque le cadre d'une guerre dépasse celui du champ de bataille, mais vient toucher à la cité elle-même, lors d'un siège typiquement, ou à son territoire des années durant. La guerre du Péloponnèse en est sûrement le meilleur exemple. Les déportations, les asservissements de populations entières, les massacres, en passant par des habitants participant à la défense de leur cité lors d'un siège, tout cela est évidemment une réalité que je pourrais vous raconter lors de la série sur la guerre du Péloponnèse qui arrive à grands pas. Plus que 3 petits épisodes pour y arriver. Enfin, pas si petit, étant donné qu'il nous reste à faire un grand état des lieux du monde grec. Il nous faut une vision d'ensemble, un petit panorama des différentes régions de la Grèce, quels liens elles ont avec le reste du monde, avec les colonies. Puis, nous finirons par 2 épisodes structurants, chacun dédié à l'un des 2 belligérants de notre guerre. Une vidéo centrée sur Athènes et ce qui gravite autour, et une autre sur Sparte. D'ici là, je vous remercie de votre attention, je vous invite à laisser un petit j'aime et un commentaire si le cœur vous en dit, et vous dis à bientôt, que l'histoire soit avec vous.